Christian Kino avec vous, bonjour, bonsoir, Max25.be, repas de fin d'année Max25, ferme château d'Oudoumont pour le quatrième repas de fin d'année. Nous sommes en 2014, les années passent et là nous sommes, comme vous pouvez constater, plus ou moins une centaine de personnes, qui c'est nos entreprises évidemment, Liège, Verviers, Namur, Bruxelles, Luxembourg, qui m'ont fait l'honneur de ce repas auquel on a présenté les résultats du Max25 Trophy 2014 et le départ du Trophy 2015. On vient de l'annoncer, c'est New York. Nous avons pris la décision là-bas d'organiser une réunion avec la complicité de Carl Scheuer. Nous avons mis également à l'évidence nos trois partenaires, évidemment, pour cette réception et pour l'année 2015. Carl Scheuer le premier, nous avions Avia Partenaire et nous avions Alliance Group. Mis à part nos trois partenaires, évidemment, pour la réception du soir, également pour l'année 2015, car il va y avoir des nouvelles activités, dont Max25 Motorsport, qui va s'envoler au mois de février à Barcelone pour les essais hivernaux de la Formule 1 avec Lotus. Et coïncidence des choses, c'est que Lotus, maintenant, c'est la motorisation Mercedes. Donc ça correspond tout à fait à notre communication marketing. Je vous invite à suivre un petit peu les quelques photos de cette réception intérieure et extérieure, puisque nous avons également exposé, et c'était la demande de Carl Scheuer, ces derniers véhicules. Je donne rendez-vous sur www.max25.be pour aller voir l'agenda. Et vous rendez compte évidemment que maintenant, 2015, eh bien, j'ai la chance de dire que c'est complet au niveau des réceptions et que nous attaquons maintenant le mois de mars 2016 avec la société TDS. Alors Max25, au niveau de cette réception, on va évidemment mettre quelques entreprises à l'honneur qui sont venues avec nous. Je vais vous présenter CGD, c'est un monsieur qui réalise pas mal de choses au niveau des roll-up et de tout ce qui est support publicitaire. Je pense qu'il va nous expliquer que les supports, il peut les placer quasi sur tout ce qui est possible au niveau de l'adhésif. Je préfère lui laisser la parole. Ce sera CGD. Ah ben justement, on a la chance de le voir. Jean Le Cire, bonjour. Tu es là au niveau du repas de fin d'année. Oui. Ce n'est pas une première au niveau Max25. Tu es déjà venu une ou deux réceptions. Alors, côté positif. Écoute, très positif. Je te dois beaucoup de coca, malheureusement. Mais bon, on va rester positif. Je vais t'amener 2-3 casiers d'avance en espérant que tu feras du bon travail par après. Alors, je vous invite à aller voir le site internet qui s'affiche en bas de page de CGD pour un peu essayer de voir le produit et la formule de Max25, c'est de mettre le personnage par rapport au produit. Alors, brièvement, CGD, au niveau de ces produits, nous, on connaît les roll-up, puisque à peu de choses près, les trois quarts sont de chez toi, mais il n'y a pas que le roll-up chez CGD. Non, il n'y a pas que le roll-up. En fait, moi, ce que je propose, c'est la formule all-inclusive. Donc, je réunis le service complet pour le client. Il cherche un produit, je peux le trouver. J'en ai déjà beaucoup en magasin. Et je fais le travail de la conception graphique jusqu'au montage, s'il faut, sur un stand publicitaire ou autre. Donc, il ne faut pas hésiter à s'informer, à demander l'info, je la donne. Si je ne sais pas le faire, je le dis clairement, mais en général, je trouve une solution. Ok, bah c'est parfait. Je vous invite, comme je disais tout à l'heure, visiter le site. N'hésitez pas à donner un coup de téléphone, n'hésitez pas à envoyer un mail. Et surtout, oubliez bien le fait de dire que la société est peut-être trop chère. Avant de savoir si une société est trop chère, demandez un devis, vous serez peut-être surpris. On me suit, vous me suivez, on va voir le reste. Alors au niveau de l'actualité, il fait partie de l'actualité. Il a son article dans le Max25 numéro 11 maintenant. Marc-Henri, très heureux de t'accueillir ici. Comme Ewash, le carwash à la maison, c'est ça sympa. On se voit ici pour leur repas de fin d'année. On s'était déjà vu lors de ta partenaire Citroën à Airpan. Alors comment ça se développe comme Ewash et puis ton contact ici à la soirée, comment ça se passe? D'abord Christian, merci. Merci de m'avoir invité et de faire tout ce que tu fais. Ça se passe super bien aujourd'hui en tout cas et par rapport à Citroën aussi. Donc tu me posais la question de savoir aujourd'hui comment ça se passait. Ben, c'est vraiment très sympathique, gens très agréables, etc. Super bien organisé. Et d'autre part, l'article que tu as placé dans la prochaine édition du Max25, c'est magnifique. Ah ben c'est avec grand plaisir. Et comme Ewash a tenu sa parole, j'ai pu avoir aujourd'hui, mesdames et messieurs, mon coca. Mais Marc-Henri a tenu. Il le méritait. Voilà. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc je tiens l'affaire de très près. On va passer sur une autre société qui a le point commun de tous. C'est la société DKV, qui est la Bentley au niveau de la protection. Je vais laisser la parole à Yves Fardeau pour un peu nous expliquer un peu ça d'un petit peu plus près. Je vais le chercher. Nous sommes maintenant avec Yves Fardeau. Alors ça me fait doublement plaisir parce que c'est une rencontre, mesdames et messieurs, qui date déjà de loin. La DKV, c'est la Bentley de l'assurance, je veux dire privée, je ne me trompe pas. C'est mieux qu'une Bentley parce qu'une Bentley peut tomber en panne. On est sûr de ça? Je pense. Alors la DKV, ben, c'est la petite carte qui est dans votre portefeuille, très 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 importante. Et là, je vais parler comme client témoin.
parce que nous en avons la grande chance de l'avoir par notre job. On a pu avoir cette opportunité-là par notre entreprise. Alors Yves Pardot, la DKV, on va peut-être résumer quelques lignes. Quelles sont les capacités de réaction et quel est le produit de la société DKV ? Alors, c'est clair que DKV est connu pour son assurance hospitalisation, donc aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Mais on va bien au-delà, évidemment, de l'assurance hospitalisation, puisque nous avons des produits de remboursement de frais ambulatoires, soins dentaires. Nous avons également des produits en cas de perte de revenus, donc ce qu'on appelle le revenu garanti. Et également un produit méconnu du public, qui est l'assurance dépendance. Donc le fait de verser une indemnité à quelqu'un qui est en perte d'autonomie. Et ça, c'est vraiment un réel besoin de marché et c'est un produit qu'il doit encore être vraiment distribué. Comme pour chaque société, et je pense que le plus intéressant, c'est peut-être de visiter le site de DKV qui s'affiche en bas de page. Les coordonnées d'Yves Pardot, envoyez un mail, demandez un petit renseignement. Et encore une fois, je le répète et je répéterai toujours, c'est pas parce que c'est la DKV que c'est tout à fait inaccessible sur le plan financier. Pensez à demander, d'après les plusieurs produits que la DKV propose, avoir le produit qui vous colle au mieux au niveau de votre assurance. Parce que quand le problème est là, malheureusement, souvent, il est trop tard. Yves Pardot, un grand merci d'être venu ici à la réception et j'espère te voir très prochainement. À bientôt. Je te remercie chaleureusement pour ton invitation, ça me fait grand plaisir. Un grand merci et bonne soirée, merci.